Yo, la populace! Bien, moi franchement ça va. Je rentre d'une journée franchement trop fatigante. On était, pour ceux qui connaissent le Var, on était vers Toulon, à la Valette du Var. On est parti à Primark faire quelques petits achats pour monsieur. Et moi, je vais vous faire un petit haul de tout ce que j'ai déniché, des petites pépites que j'ai dénichées. Il y aura du Primark, du Shane, Sephora, New Yorker, même s'il n'y a qu'un seul article. Donc voilà, on va déjà commencer par ce que je porte sur mes cheveux. Donc ma perruque, c'est une AliExpress, franchement elle est top du top. Mon base, elle est lisse, mais voilà, là j'ai essayé de faire quelques petites anglaises, histoire de pouvoir sortir. Bon là, c'est vrai qu'elles sont un peu parties, parce que je les ai faites il y a quand même 3-4 jours. Ensuite, j'ai commandé une autre perruque. En ce moment, j'aime trop. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a ce genre de perruque un peu à la mode avec le bandeau et tout. Franchement, je trouve ça trop stylé. En fait, c'est une perruque que j'ai vue sur Onéchaï. Donc, je mettrai son compte YouTube juste là. Donc, franchement, j'ai trop kiffé. En fait, c'est une perruque qui a directement le bandeau. Tu la poses, tu fais quelques petits baby hair et c'est carré dans l'axe. En plus, ce qui est cool, c'est qu'ils te les amènent avec des bandeaux, en fait, comme ça. Donc ce qui fait que des fois tu peux genre en mode vraiment mettre ce bandeau là et tu mets ça par dessus et vraiment ça fait coiffer. Donc top pour cet été. Et j'ai commandé une autre. J'ai commandé là cette fois-ci, c'est une carélisse. Bon, j'ai encore rien fait hein, dessus, elle est encore toute neuve. Donc voilà, c'est une genre de carré, une carré longue en fait, ouais. Une carré longue noire aussi. C'est vrai que là je suis pas partie sur des couleurs. Pourquoi je sais pas, mais ouais, je suis pas partie sur deux couleurs. De base, je voulais une longue comme ça, à peu près blonde. Mais bon, les deux ont été validés par monsieur, donc c'est bon, c'est carré. Et c'est aussi pour l'été, parce que là, dans 2 semaines, je m'envole pour le mariage à ma soeur en Guinée. Donc voilà, je vais essayer de mettre celle-ci. Elle est trop bien, vraiment la qualité. Et il y a énormément de cheveux, et moi, c'est ce que je kiffe. C'est ce que j'aime sur les perruques. Je n'aime pas du tout quand il n'y a pas beaucoup de cheveux. Donc là, vraiment, elle est top. Je vous mettrai bien sûr tous les liens, en barre d'infos. Alors, chez AliExpress, j'ai aussi pris un petit bonnet en wax. Vous connaissez le soir quand on enlève la pépé, là, avec les petites tresses. Franchement, top. Aussi top. Donc, vraiment, ouf. Top du top. Je crois que je l'ai prise à 2-3 euros, vraiment pas cher. Et voilà, l'intérieur, c'est comme ça. Un peu satiné. Voilà, un peu satiné, mais franchement il est trop bien. En plus, si vous mettez au cas où, si vous faites des bains d'huile le soir et tout ça, franchement ça peut vachement vous aider. Petite prise, 2 petits foulards, franchement j'aime trop. En fait, vous connaissez les, pareil encore quand il y a les tresses, tu te sens pas de mettre la perruque parce que voilà, il faut mettre le gel, tout ça, genre flemme d'ouf de faire tout ça. Donc du coup, 2 petits foulards, un gris comme ça et un rose pâle. Voilà. C'est qu'en fait, moi, j'aime bien me maquiller dans tout ce qui est rosé, tout ça. Donc, voilà, rose pâle, ça ira avec mon maquillage. Je me suis prise une petite robe blanche, comme ça. Je l'ai essayée tout à l'heure, donc validée aussi par monsieur. Elle n'est pas du tout transparente. Donc, voilà, vraiment, elle n'est pas du tout transparente, elle est bien. C'est sûr que je pense que j'aurais dû prendre une taille un peu au-dessus. Mais sinon, ça va. Au niveau de la longueur, elle me va après les genoux. Donc, vraiment... topissime. Une autre, en fait c'est une sorte de robe, mais en même temps de long pareo, de robe pareo en fait. Mais je vais l'utiliser, moi je pense que je vais l'utiliser en tant que robe, parce que vraiment elle est sublime. Après c'est vrai qu'elle me grossit un peu, je trouve, mais sinon vraiment rien à dire. Après elle est un peu transparente, donc il va falloir mettre peut-être, vous voyez les genres de petits cyclistes en dessous, tout ça. Donc voilà, mais sinon vraiment un petit 7,5 sur 10. Ensuite, il y a ce haut du coup trop mimes que je porte de chez, du coup aussi AliExpress. Franchement, j'aime trop. C'est un genre de crop top, voilà, qui se met avec un genre de jean taille haute. Donc, enfin, pour moi, pour ma part, je l'ai mis avec un jean taille haute. Après, vous pouvez le mettre avec une jupe. Vraiment, ça se met vraiment avec tout. Et il est trop mimes. Et vous pouvez aussi le mettre comme ça, histoire de faire un petit style genre assez soirée, assez sexy. Mais voilà. Et franchement, il faut aussi certifier que franchement, AliExpress, ils ont vraiment fait un effort au niveau de la livraison. Ils sont vraiment top. Genre vraiment, j'ai commandé tout ça il y a à peu près 2 semaines. Et vraiment, c'est arrivé super vite. Donc vraiment, au niveau livraison, je vous garantis pas. Mais en tout cas, pour ma part, c'est arrivé super vite.
Donc, on va passer au haul de chez New Yorker. Parce que c'est celle-ci. C'est une petite robe jaune moutarde. J'aime trop, trop, trop. Vraiment, elle est sublime. Vraiment, elle est comme ça. Elle me va... il me semble au-dessus des genoux. Mais vraiment à peine. Hein. C'est vraiment comme ça. Elle me va vraiment à peine au-dessus des genoux. Donc, voilà. Au niveau de la poitrine, c'est des petits boutons, pardon, comme ça. Voilà. Donc, franchement, elle est sublime. Elle est niveau... Elle est débardeur. Donc voilà, et celle-ci, je l'ai prise à 19,99€. Du coup, chez New Yorker, je vais essayer de vous mettre le lien si je la trouve sur internet, mais c'est pas sûr, hein, parce que je sais même pas s'ils ont un site, parce que moi je l'ai pris en magasin directement. Donc voilà, et je trouve que franchement, le jaune moutarde sur les peaux black, ça nous va trop, trop, trop bien, vraiment. Donc pour New Yorker, il n'y a que ça. C'est Shane. Premier article de Shane. Je me suis prise un petit pantalon comme ça. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup pour l'été. Franchement, au niveau de sa fluidité et même regarder au niveau des pieds ce que ça donne. C'est vraiment ce que je cherchais en fait. Il n'est pas vraiment trop serré. Il n'est pas, en fait, il n'est pas slim. Il est vraiment large. Franchement, j'aime trop, trop, trop. Et il est venu, il me semble, avec une petite ceinture, mais je ne sais plus où elle est. Donc voilà, vraiment. Et moi, je me suis prise du L parce que vraiment, je voulais vraiment que sa taille, en fait. Vraiment un peu grand, un peu fluide, vous voyez, vraiment pas d'éléphant quoi. Donc voilà. Je me suis pris ce petit haut canonissime en fait. Vraiment, j'aime beaucoup. Je me dis qu'en fait, un haut blanc, c'est vraiment ce qu'il faut avoir dans son armoire en fait. Surtout avec l'été qui arrive. Donc voilà. Oh, on voit pas trop. Ouais. Mais du coup, voilà, un petit haut comme ça, il est un peu transparent en fait au niveau des trous. Mais voilà, vous le mettez avec un petit bandeau et vraiment ça passe quoi. Donc, surtout pour l'été, comme je dis encore, regardez au niveau de la fluidité. Et puis voilà, vous avez bien l'air qui passe à l'intérieur, quoi. Ça passe crème. Alors, deuxième article, je me suis prise une jupe comme ça. Jupe pareil que j'ai mise hier pour ceux qui m'ont sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, sur TikTok, sur Insta, sur Snap, sur Twitter, tout ce que vous pouvez. Donc, voilà, j'ai pris cette petite jupe avec une petite fente là. Franchement, j'aime beaucoup. La fente, elle n'est pas très haute, contrairement à la jupe jaune que j'ai prise. Celle-ci, vraiment, en fait, elle est vraiment belle. Elle est vraiment, vraiment belle. Elle est vraiment... Et au niveau pareil, elle n'est pas transparente, tout ça. Mais la fente, autant pour moi. La fente, vraiment, elle est trop haute. Elle va vraiment au niveau limite des fesses, en fait. Donc, elle est trop haute. Donc, il faudrait que je dise à mon petit couturier... qui me sert, enfin qui me met 2-3 points là pour que, histoire d'avoir une fente quand même, mais pas trop sexy quoi, parce que voilà. Mais sinon, voilà, je l'ai prise aussi en jaune et pareil, j'ai pris du L pour les deux jupes. Haut, voilà, comme ça, hein. Je me suis prise des hauts comme ça, de couleur, je me suis dit pour l'été, c'est peut-être pas mal aussi, donc voilà, des petites couleurs un peu flashy, j'aime bien, et en rose pâle. Voilà, on en a pris deux. J'en avais un aussi en noir et un. Et là, j'ai mis dans mon panier un en blanc. Franchement, j'aime trop, trop, trop ce genre de débardeur. Je trouve ça trop mims. Avec un beau jean taille haute comme j'ai là. Et une petite ceinture marron et tout avec des petites sandales. Je trouve ça trop cute. Donc, j'ai pris ensuite une robe. Celle-ci, elle a fait fureur sur Snap. Vraiment, si j'oublie de vous mettre le lien en barre d'infos, vous me tuez. Celle-ci, elle a fait fureur, surtout qu'elle est aussi avec une fente. Au niveau des genoux, franchement, elle est trop trop belle, vraiment. Après, c'est sûr qu'elle est un peu serrée, moi, il me semble que j'ai pris du L, oui, mais elle est un peu serrée au niveau des bras. Parce qu'au niveau des bras, elle n'est pas forcément élastique, elle est vraiment, c'est vraiment le tissu pur et dur. Donc voilà, mais sinon au niveau du dos, regardez, il y a vraiment de l'élasticité, donc... elle est sublime et c'est une robe longue. Voilà, elle est vraiment très 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 belle. Donc franchement, aucun regret. Ah ben j'ai retrouvé la petite ceinture. C'était tout en dessous. Donc je me suis prise aussi un blazer. Franchement, j'aime beaucoup. Au niveau de la qualité, franchement, Shane, ils ont vraiment fait un effort. C'est comme du AliExpress. Ils ont fait un effort au niveau qualité. Il n'y a rien à dire. Mais genre vraiment, le blazer, je l'ai pris en taille 38. Et franchement, c'est parfait pour moi. Donc si vous voyez qu'à peu près, vous avez à peu près ma corpulence au niveau des bras, taille 38, c'est bon. Franchement, taille 38 et elle taille, il me semble, juste après les fesses. Ouais, juste vraiment après les fesses. Elle est vraiment, elle est pas très longue et pas très courte en fait. Elle est vraiment juste.
Après, vous pouvez remonter un peu les manches comme ça, petite montre, et c'est OK. Alors, pour finir sur Shane, ah oui, je vous ai pris, bien sûr, des boucles d'oreilles. Donc, j'ai pris celle-ci. En fait, c'est les mêmes que chez Zara, mais sauf que en moins cher. Je me suis pris celle-ci. J'ai pas forcément ouverte, mais je sais pas pourquoi. Il y a une boucle d'oreille un peu plus petite que l'autre. Voilà. Je me suis prise celle-ci, un peu déçue de celle-ci parce que je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus grosse. Mais bon, je pense que ça pourrait faire l'affaire. Et je me suis prise celle-ci. Voilà. Vu que, comme je vous ai dit, j'avais un mariage là dans quelques semaines. Donc voilà, je me suis dit que celle-là, même si j'ai toujours pas encore le tissu, mais celle-là, elles vont avec tout en fait. C'est des, voilà, c'est des basiques, donc elles vont avec tout. Donc le haul Shane est terminé. On va passer à du Primark. Alors, premier article de chez Primark, je me suis prise un petit chapeau comme ça, nude. Franchement, j'ai trop kiffé en fait. Vraiment, j'ai trop kiffé. Il était en noir, nude comme ça, et ouais, non, c'est tout. Il était dans ces deux coloris là, et franchement, j'ai trop kiffé. Je me suis... Moi, aujourd'hui, j'aurais pu me mettre un peu comme j'étais habillée, mais bon, j'ai pas pensé. Donc, franchement, je l'ai prise à 12 euros. Voilà. Donc 12 euros, vraiment, il était pas cher. Et vraiment, la qualité, elle est trop, trop bien. Vraiment. Donc voilà. Ensuite, je me suis prise des chaussettes basiques. Franchement, des petites chaussettes noires basiques. Parce qu'en fait, même si c'est l'été, on met quand même des baskets et tout. Donc, et moi, j'aime pas trop les chaussettes longues. Je préfère les chaussettes courtes. Et il y a 7 paires pour 3 euros. Prise des petites tongs. Des petites tongs à 1 euro. Mon mari me dit, tu aimes trop faire la touriste et tout. Mais franchement, ça sert. Je trouve que ce genre de claquette, ça sert énormément. Je vous montre pas la deuxième parce que je ne sais pas où elle est. Mais voilà, en tout cas, je les ai prises à 1 euro. Et vraiment, voilà, elles sont en plastique. Et ça sert énormément parce que pour les deux destinations qu'on va faire là cet été, je trouve vraiment des chaussures comme ça qu'il faut pour pas salir en fait les autres claquettes vraiment neuves qu'on a ou de la marque. Ou voilà. Donc franchement, top du top. Ça va dans la plage, ça va dans la piscine. C'est carré. Alors, troisième article, je me suis prise un petit jean. Voilà, il est comme ça. Vraiment, en fait, je voulais vraiment avoir un jean parce que dans mon armoire, je me suis rendu compte que vraiment, j'ai que des jeans déchirés. Et j'ai pas de jean vraiment, voilà, comme ça. Enfin, classe quoi, on va dire, vraiment pas déchiré. Et dans ce bleu aussi, j'avais pas de jean dans ce bleu. Donc voilà, il me semble que je l'ai pris à 21 euros. Je me suis prise un petit short. Voilà, très basique aussi. Et vraiment très très beau à 11 euros. Ils étaient vraiment pas chers, voilà. 11 euros. Par contre, j'ai pris une taille vraiment qui est très très grande. Mais en fait, je voulais vraiment qu'il aille en mode vraiment boyfriend. Vous voyez, hein, pas des shorts vraiment trop trop serrés. Non, je voulais vraiment qu'il me fasse. J'ai pris ce jean aussi, pareil. Bon, celui-là, j'avoue, il est trouvé. Mais ça va quoi. Franchement, j'aimais bien. En fait, pareil, c'est aussi un genre de. Bon, c'est un peu un genre de boyfriend, mais un peu plus serré. Et celui-là, je l'ai prise à 21 euros, c'est pareil. Donc voilà. Et pour finir, il y a celui que je porte sur moi. Voilà. Bon, il est aussi pas troué. Il est vraiment... bon, je peux pas trop vous le montrer, mais il est vraiment classe aussi et il est pas troué. Donc celui-là aussi, je l'ai pris à 21 euros. Voilà. Ce que je nous ai déniché chez Sephora. Donc, c'est vrai que j'avais fait un sondage sur Instagram pour demander les fonds de teint que vous utilisez et vous m'avez. La plupart m'ont répondu de celui de chez Too Faced. Donc, voilà, je ne l'ai pas encore essayé. Là, aujourd'hui, je n'ai pas mis de fond de teint, j'ai mis que de la poudre. Donc, voilà, donc j'ai demandé à la vendeuse. Elle m'a dit aussi qu'il était sans transfert. Donc, voilà. Et pour ma part, ma couleur, c'est le Maple. Voilà, pour ceux qui s'identifient un peu à moi. Donc voilà, il m'a coûté 41 euros. Ensuite, je me suis prise un genre de sérum, en fait, une base ou un sérum ciblage tâche. Donc c'est aussi la vendeuse qui me l'a conseillé. Je vous le mettrai en barre d'infos. C'est aussi la vendeuse qui me l'a conseillé. En fait, elle m'a dit que vraiment, elle m'avait la peau un peu sec. Donc du coup, voilà, elle m'a conseillé de mettre ça. Et en fait, c'est une base de mettre avant le maquillage et tous les soirs, une fois que j'ai fini mes soins maquillage. Et pour finir, chez Sephora, je me suis pris celui-ci, l'anti-cerne haute couvrante de la marque de chez Sephora. Vraiment, je ne me suis pas cassé la tête parce que j'en avais déjà un autre de chez Huda Beauty. Donc là, c'était vraiment pour le on sait jamais s'il m'en reste plus. Donc voilà.
terminé ce haul, je me suis prise un petit parfum chez Adopt. En plus, c'est trop mignon parce qu'il nous donne un petit sachet avec. Genre, c'est trop mims. Donc, c'est le Red Dress. Il sent vraiment exactement comme le Si de chez Giorgio Armani. Et le Si, c'est un de mes parfums vraiment favoris. Donc là, je l'ai trouvé en petit format à 8,99€. Et franchement, il sent vraiment comme le Si. C'est vraiment... j'abuse pas. Genre, vraiment, j'abuse pas. Il sent vraiment comme le Si. Et voilà. Donc, c'est chez Adopt. Voilà, donc j'espère que ce petit haul vous a plu. Donc voilà, pas trop de critiques, c'est mon premier haul. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu. Et puis ce que vous aimeriez que je change pour la prochaine fois. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner sur mes réseaux sociaux, mes TikTok avec mon mari, mon TikTok personnel, mon Instagram, mon Snapchat. Donc n'hésitez pas à me suivre parce que c'est vrai que je suis beaucoup plus présente sur Snap que sur YouTube. Mais bon, ça viendra petit à petit. Donc voilà, je vous fais en tout cas plein de bisous.